Karim, je te promets, hein, si tu m'épouses là, tu vas voir ce que je vais t'offrir. Moi, j'ai de l'argent, je suis célibataire. Hein? Il faut... Non, assois-toi, assois-toi. Sois à l'aise, c'est mon garage ici. Hein. C'est mon garage. Sois à l'aise. Moi, j'ai de l'argent. Hein? Je vais t'offrir tout ce dont tu as besoin. Tu vas où comme ça? Je vais aller voir mes copines à côté ici. Tes copines? Oui. Ah, ok. Et à vous! À vous! Patron! Patron, toi tu fais quoi là-bas? Oh! Patron! Je suis en train d'arranger le radiateur de cette voiture. Arranger le radiateur. Je t'ai dit d'arranger le pneu là-bas. Mais c'est demain, je viens. Va arranger le pneu là. Tu parles encore. Imbécile! Bon, Karine, je disais. Hein, moi, j'ai de l'argent. Je cherche femme. Je ne te comprends même pas là. Chaque jour, tu deviens de plus en plus belle. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je ne te comprends pas. Comme tu n'as pas assez de temps là. Je vais te donner au moins un petit quelque chose. Bon, prends ça là. C'est juste pour le dérangement. Hein. Okay. Okay, là, attends, bye bye. On me fait moins un bisou. Oh. Karine. Oui, bye bye. Donc à tout à l'heure. Oui. Oh ma belle, tu es malade, mais tu prends ces gens du courrier. Il faut prendre ça, la meilleure boisson anti toute maladie. Tu crois? Comment ça je prends? C'est la vérité. Jolie. Oh. Ok, prochainement je vais prendre ça. Santé. Bon, je dis, pour ce week-end là, il y a quel programme de funérailles? En fait, il y a un funérail à Plaoulé. J'ai appris qu'il y a un décès, mais je connais même pas la personne. À Plaou, il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien à Plaou. Mais bon, paraît-il que dans le quartier de Karine, là. Karine. Karine, ma copine. Oui. C'est comme si un neveu d'un ministre qui est décédé. Non, je dois aller là-bas. Et puis je vais essayer de pleurer, mais j'ai kaki mes yeux pour bien regarder. Je te connais. Et prends le gros poisson. Oh. Oh. Et qu'est-ce qu'on va porter? Ah, c'est ça même. Si elle aussi elle était là, on allait décider ensemble. Oh, elle aime trop. Attends, le attends, je vais l'appeler. Appelle-la. Là voilà qui arrive. Hey, mes copines. Oh. Vous êtes là. Oh non, ne fâche pas. Ne fâche pas du tout. Moi je suis fâchée. Oh, non. Ma copine, ne te fâche pas. Je veux dire, on voulait même partir ça. Non, pourquoi? Excuse-moi. Mais tu as trop traîné. Non, tu ne sais pas. C'est un gars qui me dérange dans deux jours là. Quand je venais là, on s'est croisé sur la voie. Je ne peux pas me laisser partir. Si la personne te dérange, qu'il y a rien, mais oublie le sac. Hé, ma copine, c'est pas ce qu'on laisse. Tu vois, non? Un peu de temps qu'il m'a pris là, il m'a déjà donné 50 000. C'est ce qu'on laisse ça. 50 000? Oui, oui. Hein? Oui, c'est ce qu'on laisse. Moi, j'ai oui. Wow. Mais prends quelque chose, on m'a traité. 50 50 000. Oui, oui. Yeah. C'est ça là. Il faut presser. Represser. Bonsoir. Tu... Merci. Prends ce que tu vas lui trinquer. Mata. D'accord. 50 000. Félicitations. Merci, ma copine. Dis-moi, ça a décroché le gros lot. Il fait quoi dans la vie? C'est un mécanicien. Mécanicien, hein? Pardon? Oui. Mécanicien. Oui, mécanicien. Mécanicien. Oh. Yeah. Sandra, mécanicien. Mécanicien. Ah, voilà, hein? Chérie, trinquons. C'est lui qui m'appelle comme ça. Ah. Je viens. Sandra, regarde-la. Elle comme ça, vilaine, moche. Dans sa garde-robe là, il n'y a rien. Comme ça, les hommes donnent 50 000. Hé, hey, toi, t'as cru à ça? Est-ce que moi je sais? C'est faux. T'es sûr que c'est faux? Elle l'a comme ça. Oh, 50 000 à celle-là qu'on connaît. Elle n'a rien. Elle ne connaît rien. Elle ne sait rien faire. Elle est vilaine. Hein? Franchement, quoi? Moi, j'ai pas tué. Mais c'est ce genre de truc mené. Hé, mes copines. Ah, chérie. Attendez de m'écouter. Attends. Trinquons. Mon nouveau mari m'a dit. Oui. Hein? Demain, on ira en piscine. Après ça, on ira au resto pour manger quelque chose. Comment tu vois ça? Oh, félicitations, ma chérie. Félicitations. Tu as gagné au jackpot.
porte. Oh bien. Félicitations. Merci beaucoup. Bisous, bisous. On dit souvent. Oh. Bye. Je vais bien chez toi. Oui, ça va. Ah. Ok. Dis-moi, ma chérie. Tu veux m'aider? Non. Je te connais. Tu es toujours sur ton affaire de dos en sachet? Mon ami, il n'y a pas de son métier. Si je laisse ça là, je vais manger quoi? Tu n'as pas de son métier? Il y a beaucoup de travaux à faire, Mance. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses, ma chérie. Toi aussi. Faut chercher. Et toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu sais, non? Ok. Mais dis-moi, tu vas bien? Oh, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Bonjour, aussi, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Eh, hey, quel bon vent t'amène? Ah, c'était juste pour le bonjour. Eh, hey, Sandra. Oui. Sandra qui vient me dire bonjour. C'est bien ça. Ce qui veut dire que tu as changé. Ah, oui, oui, oui. D'accord. Je suis là. Ma chérie? Oui. Au fait, j'ai une soirée ce soir. Ah bon? Et j'ai besoin de ton sac rouge avec de différentes couleurs là-dessus. Là. Hey Sandra. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Sac rouge carrelé. Oui, 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 avec de différentes couleurs. Là. D'accord, je vais te donner ça. Comme on est des amis, on doit s'entraider. Merci. Ah, pour ça, il n'y a pas de souci. Ok. S'il te plaît, ma chérie, peux-tu profiter pour me donner ton colis là? Sandra, non, ce n'est pas le sac seul que tu veux, quoi. Quel collier? Ton collier là, ce que tu portes souvent là, ça irait bien avec ma chaussure. Collier, chaîne, chaîne, brillant, oui. Brillant, la pierre, ah. Ron. Oui, c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Merci ma chérie. Mais ça, tout ça là, c'est ça qui donne tout ça là. Hein, c'est l'eau, je vends l'eau, je souffle. C'est ce que tu veux, non? Oui, ma chérie. Prends. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bon, là, je te souhaite une bonne soirée. Merci, ma chérie. Bon, je suis un peu pressée. Là, je vais partir. D'accord. Ma chérie. Oui, ma belle. En fait, ce matin, je suis à plat. Hé, Sandra. Tu es à plat. Oui. Tu n'as rien. Rien. Et j'ai besoin de 5 000 pour le transport. 5 000? Oui, 5 000. Dès que je reviens, je te rembourse. 5 000? Oui. C'est dur, mais hein, comme on est des amis. Ok, salut. Kofi, hier nuit, j'ai pas du tout fermé l'œil. On m'a appelé pour la maladie de ma maman. Rien, 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 je ne trouve pas chez toi. Je suis ta femme, on ne dirait même pas quoi. Kofi, s'il te plaît, je t'en prie. On dit que ceux qui s'assemblent, ce ne sont un peu comme Globo qui travaille. C'est ton ami. Tu ne travailles pas, les filles te courent après. Pour Globo, je comprends parce qu'il travaille. Les filles aiment l'argent. Toi, tu n'as même pas un rond. On ne dirait pas que je suis ta femme, tu n'as même pas pitié de moi. Kofi, s'il te plaît. Va voir Globo pour me trouver un petit 10 000. Je sais que tu ne peux pas payer les médicaments de ma maman. Mais juste le transport pour aller à Cara. Mais il va trouver ça où? Il va trouver ça où? Mais je n'ai pas passé tout le temps à demander l'argent à mon ami. Bien vrai qu'on a fréquenté ensemble. Mais c'est pas moi. Je n'ai pas passé tout le temps à lui demander l'argent. Et il peut passer tout le temps à lui demander l'argent. Et tu veux qu'on fasse quoi? Et on fait rien. Hein? Dans ce foyer-là, qui nourrit qui? On se nourrit. Kofi, sincèrement, je suis fatiguée. Même moi-même. Même moi-même. Arrange-toi, va voir Globo. S'il va t'apprendre même son métier comme garantie, là, pour que tu le rembourses après, trouve au moins 10 000 pour que je puisse me rendre à Cara. Je suis ici, je meurs de faim.
D'ailleurs, la nuit, je ne trouve rien. Oh, oh, oh. Non, je suis fatiguée, j'en ai assez, quoi. Mais ta maman, la mère, elle est déjà vieille. Si elle meurt, ça fait quoi? Moi? Si elle meurt, ça fait quoi? Bon, ce que je vais faire, je vais aller le voir. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je vais aller le voir. Bon, je vais aller le voir. Ok, ok, va voir. Au revoir. Hey Sandra! Kaka, comment tu vas? Ça va, et chez toi? Oui, ça va. Regarde comment tu es jolie avec ton cheveu là. Arrête ça, tu reviens d'où comme ça? J'ai fait un petit sorti avec mon dragon mécanicien dont je vous avais parlé. Ah, ok, je vois. On est allé manger. Donc j'ai pensé à vous. Je vais vous amener quelque chose. Toi, tu es pressée. Ah, ok, ok, je pense que je vais vous merci. Ok, bye bye, comment ça fait? Karine, oui, ma copine. Donc vous êtes décidée aujourd'hui. Oui, oui. Viens t'asseoir. Comment? Ça va. Bon travail. Merci. Oui. Je dis, tu remettais quoi à Sandra? Croissant. Croissant. Oui, oui. Mais celle-là, même elle aime trop la vie facile. Quoi. Bon. Ah, d'accord. Et tu lui as remis combien? Deux. Mais celle-là, il ne fallait pas lui remettre quelque chose. Elle aime trop la vie facile. Qu'elle vient ici là. C'est pour te critiquer, t'insulter. Et dis que toi aussi, tu ne fais rien, tu es pareil comme elle. Elle est venue pour prendre sac, hein, chaussures. Des fois même, la mort slip, là, elle vient, elle prend. Tu vois, c'est une fille, ça. Bon, laissons ça. Je dis, hein, ton mécanicien, là, ça va? Oui, ça va. Bon, il te donne combien même par jour? 20 000 par jour. Hmm? 20 000 seulement? En tout cas, bon, il habite où? Il habite deuxième vent à gauche. Là. Deuxième vent à gauche? Oui. Et son atelier, c'est où? Son garage, quoi? Son garage, c'est à côté, deuxième vent à gauche. Le grand garage qui est là. Il y a beaucoup de voitures là. Ah, c'est là. Vois. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Oui. Oh. Il commence quand? Il va au boulot à quelle heure? Il vient à 8h et quitte à 18h. Ah, ok, je vois. Bon, et tu l'aimes? Tu veux l'épouser? Oui. Ah, ok, c'est bon. Hein. Du courage. Félicitations. Merci pour les croissants. De temps en temps, là, faut me ramener ce genre de trucs. Edwige. Elle viche. Oh, Anna, s'il te plaît, pardon. J'ai un travail précis à finir, s'il te plaît. Laisse-moi t'affairer d'abord. Hein? Attends, là, elle viche. Laisse ça. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ok. Faut parler. Pourquoi tu n'es pas venue au mariage? Je viens de te dire que j'ai un travail pressé à livrer tout à l'heure. Pardon, hein? La dame, là, elle a tout à l'heure. En tout cas, tu as eu une chance de ne pas venir. Non, pourquoi? Si tu vas le marier, il est trop cool. Non. Il est filé. Je ne te crois pas. Hein? Ils ont refusé même de nous donner à manger. Pourquoi? On n'a pas mangé. Regarde. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont préparé comme la nourriture. Attends. Et la boisson, c'est ça. Jus de quoi et je ne sais pas. Et notre copine qui nous disait mille regrets aux absents. Quel mille regrets aux absents? Moi en train de travailler comme ça, Anna, j'imaginais le mariage dans ma tête. C'est pas vrai. Bonjour. Hey, bonjour, 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 chérie. Comment tu vas? Bien, bien. Anna, Edwige, oui. La robe, j'ai pas assez de temps. Oui, oui, patiente-toi un peu ça. Je vais me patienter encore. Oh, mais je n'ai pas encore fini, patiente-toi. 5 minutes. Faut pas gâter ma chance. Tu parles de quelle chance? Laisse ça, tu aimes trop ça. Toi aussi. Je te vois venir. Toi là, je te connais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, si je te dis quelque chose, ça n'a qu'à rester un peu. Anna, t'es sûre? Oui. Ok. Tu connais Karine, non?
Karine, notre amie d'enfance. Oui, Karine. Oui. Prends place. Karine a un gars. Le gars veut tout faire à Karine. Karine ne veut pas. Parce que c'est un mécanicien. Mais il a beaucoup d'argent. Moi, je ne comprends pas Karine, quoi. Elle ne veut pas. Donc, je vais porter ma robe, celle-ci, là. Passer par là. Pour voir si c'est l'occasion. Peut-être ça peut être à ma faveur. Le gars peut me voir et puis ça change, quoi. Laisse tomber. Je vais le laisser tomber, quoi. Laisse tomber. Faut pas dire à quelqu'un. Ce que je vais te dire là. Ok. Je connais un féticheur. C'est chez lui que je vais tout le temps. Lui. Ah, je vais t'emmener chez lui. Il te fait quelque chose. Là, tu mets ça dans la main. Tu serres la main à ton soi-disant mécanicien là. Boum. C'est fini. Qu'est-ce qui est boum? C'est fini. Ah, c'est toi seul qu'il va voir. Toi jolie là. Tu seras sa reine. Sans tout. C'est vrai, Anna. Bien sûr. Hein? Est-ce que je peux te mentir? Mais fallait me dire ça plus tôt, ma chérie. Tu m'as dit ça avant. Laisse. Oh, ok, allons-y, ne perdons pas le temps. Allons-y, tu vas plus prendre ta robe. Laisse la robe, allons-y là. Anna. Non, non. Elle est de l'eau. Elle a tché, elle a tché. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens de t'appeler tout à l'heure à cause de ma copine. Elle veut séduire un gars, mais elle ne veut même pas parler. Donc, tu vas lui faire un bon coup l'été. Comme l'autre fois, quoi. Donc, c'est à cause de ça que je l'ai amené. Ma chère bonne arrivée. Tu as frappé à la bonne porte. Tu as la solution à tes problèmes. Ça. Je vais te donner quelque chose tout de suite. Ça, c'est petite affaire. Je vais te donner quelque chose. Tu mets un peu dans ta bouche. Le reste, tu le passes sur ta main, tu salues au gars. Immédiatement, il est devenu pour toi. Il ne peut en aucun cas résister à quelqu'un. Sauf toi. Merci. Donc, tu as déjà la solution à tes problèmes. Petit, ça va? Eh, patron, ça va? Bonne arrivée. Ça va. Attends, patron. Ah! Oh, ça, compa. Bon, 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 bon. Allez, ça, j'arrive. Tu es en train de bricoler des trucs. Compa, compa. Compa! C'est comment? Oh, ça va, ça va. Ça fait deux jours. Oui. C'est comment, ça va? Il y a les affaires. Oh, un peu, un peu. Abou. Abou. Patron. Il est à quelle heure? Attends, il est presque midi. Presque midi. Va au repos. Patron. Va te reposer, va te reposer. Merci patron. Le coton. C'est un paresseux. Ça se voit même les enfants là. Il veut rien faire, ils sont là, ils veulent rien faire. Rien, rien du tout. Oh. Kofa. Oui. C'est comment? Oh, ça va. Yo, je suis venu te voir. Hein. Ah bon? C'est le cas de ma femme là. Sa maman est toujours malade. Attends. Elle est encore malade. Elle est encore malade, la vieille là. Mais tu es vieille, tu veux mourir. Mais... Oh non, non, c'est la vieillesse, c'est la vieillesse. Mais la vieillesse, nous on est jeunes, ben nous fatigue. Vieille, fatigue, jeune. Bon, donc j'ai besoin au moins de 20 000 pour donner à ma femme, elle va partir au village. Kofa, oh, mon dos chanceux, je viens tout juste d'acheter un moteur comme ça, hein. Je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien. Mais voilà, gros voiture, tu repars là, c'est pas... Oh non, j'ai pas pris avance.
Tu me connais très bien. Mais faut pas faire ça, les clients sont bizarres. Tu veux réparer un moteur comme ça? Tu prends avance. Non, 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 moi je ne fais pas ça dans mon garage. Je ne prends pas avance. Avance. Il y a certains clients qui embêtent là. Mais prends avance. Allô? Où? Ah ok, j'arrive. Oui, j'arrive tout de suite, oui. Ok, ok. À tout à l'heure. Koufa. Ouais. Tu as chance. Ah, moi je t'ai dit que je suis un apprenti chanceux. On dit quoi? Un client vient de m'appeler. Ouais. De venir lui déparler. Ah, ok. Donc, j'arrive tout de suite. Tu vas pas durer, hein? Oh non, non, non. Pardon. Mon frère, non, j'arrive. C'est toi qui peux me sauver. Pardon, pas durer, Globo, pardon. Bonjour. Excusez-moi, j'aimerais voir le patron. Le patron d'ici? Oui. Mais ça se voit à l'œil nu. Non, non, c'est moi le patron d'ici. Ah bon? Tout ça là, c'est moi qui commande ici. Tu as vu, même cette voiture là, je veux réparer ça pour faire don. À qui? Bon, ok, un mendiant. Mendiant? Un mendiant. Même si tu veux, même un 4x4, tu vas là. Ça, je peux réparer ça, tu te donnes, tu vas faire tes courses au marché. Ah, moi je donne des voitures aux gens, moi. Oh, merci. Moi, ça me dit, ça c'est des petits problèmes. Je peux réparer ça et puis je te donne. Ok, merci beaucoup. Oh, mais tu es jolie. Mais pourquoi tu es jolie comme ça? Oh, c'est pas de ma faute, hein. C'est Dieu qui m'a créé. Non, mais toi, Dieu a créé les gens, mais toi, il t'a pas créé, il t'a dessiné. Mm-hmm. Non, tu es jolie. Merci beaucoup. Tu habites où? Bon, je suis pas loin d'ici, je suis dans le quartier. Ah, c'est bien. C'est bien. D'accord. Je suis ravie, hein. Le plaisir est partagé. Oh, hein. Le plaisir est partagé. Le plaisir. Non, tu es jolie. D'accord. Oh. Merci beaucoup. Oh, tu vois, tu cherches le patron. Il y a trop de menteurs. Les gens vont dire non, c'est moi le patron. C'est moi seul, le chef ici. Pas seul. Oh, merci. Bon, ce que tu vas faire là. Oui. Tu vois, il y a un petit bar là. Oui. Hein, tu m'attends là-bas. Ah bon? Va vite, tu m'attends là-bas seulement. Hein. Va, tu m'attends là-bas. Hein. Comme ça. Le beau. C'est comment? Oh, ça va. C'est bon? Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Il faut donner deux. Deux comment? Beaucoup deux de comment? Oh non, il faut laisser. Oh, ça. Globo! Non, deux comment? Plan, l'amitié, plan. C'est pas comme oh, ça, Globo. Non, non, je ne peux pas te trouver 20 000 francs. Moi, au moins 10 000 francs. Tu vas gérer ça. Hein? Il faut gérer ça. Ok, pas de problème. Il faut gérer ça. Bon. Non, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Ok. Tout à l'heure. Oui, on a été coupé là, mon frère. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai trouvé maintenant une petite là. Ça, c'est pas. Ça, elle n'a rien à voir avec cette vieillerie là. Oh, je cherche occasion pour la chasser. Mais je, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé bonne occasion. Elle me tourne. Oui. C'est ce que je veux te dire. On va organiser une fête à la maison. Mais bien avant ça, il faut que je la chasse. Je fais tout, je ne trouve pas pour l'instant un argument. Kofi, j'ai hâte de parler. Oui, bon, ok, d'accord. Je viens d'avoir un argument. Je viens d'avoir un argument. Je te rappelle. Je te rappelle tout à l'heure. Kofi? Bon, je téléphone là, tu vois pas que je téléphone? Et si tu téléphones? Mais, et si tu téléphones, tu me laisses téléphoner? Attends, donc tu comprends bien? Moi, je téléphone. Et puis, tu viens me perturber. Mais c'est pas depuis la chambre là-bas que je voulais te parler, tu es sorti. Mais c'est depuis la chambre aussi que moi aussi j'ai téléphoné. Ah. Attends, donc si je comprends bien, moi je téléphone, je parle mon bon affaire, tu gâtes. Tu sais pas quel bon affaire j'ai en train de parler, tu viens, tu gâtes. Tu sais ce que tu vas faire? Faut prendre tes bagages, tu es parti. Lélie, la vieille, faut prendre tes bagages, tu vas partir. On peut pas brûler les gens jusqu'à ce point. Je t'ai fait quoi? L'amour là, c'est pas forcé. Faut prendre tes bagages. Non, faut laisser Kofi là. Faut prendre tes affaires, tu vas quitter. Je suis fatigué de ça. Faut prendre tes affaires, tu vas partir. Ok. Je vais partir. Faut partir. Mais Dieu là, Dieu me vengera, Kofi. Moi, mais Dieu va te venger, moi, mais je vais venger Dieu.
Chérie. Attends, attends, attends. Tu vas te quitter, dis-nous. Oui, chérie. Papa, non. Prends d'abord. Merci. Fais-moi un bisou. Bon appétit. Là, il n'y a pas besoin de bon appétit. Quand tu es là, là, l'appétit est là. C'est ça. Tu peux pas être là, et puis il n'y a pas appétit. Je remercie le Seigneur. Hein, Koufi? Non, là, tu je remercie le Seigneur, là. Moi, je fais beaucoup de choses pour toi. Bien. Même, tu as vu mon garage, non? Oui, je l'ai vu. Même si tu as un parent qui a une voiture, il n'arrive pas à réparer. Il l'a envoyé partout. On dit non, voiture est gâtée. D'accord, envoyé. Ah bon? Tu es efficace comme ça? Tu n'as pas vu la voiture que j'ai engagée là-bas? J'ai vu! Oh, je suis sauvée! Ah! Il va réparer la voiture. Ça va fonctionner plus que. De toute façon, ils ont créé ça à l'origine là. Non, wonderful. Tu ne peux pas avoir une voiture, non? Oui, bien sûr. 4x4. Mais tu m'avais parlé de ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il va venir quand? Bon, je crois que c'est demain. Hein? Demain? Oui, demain. Parce qu'il va essayer de faire tout et tout pour ramener ça à Lomé. Tu n'as qu'à ramener à Lomé? Je lui ai dit que je sors avec quelqu'un qui est efficace. Tu sors pas avec quelqu'un? Tu as marié? Mais tu n'as pas encore déposé la dot. C'est parce que si elle est payée pour amener là, déjà c'est plus que d'autres. Ok, donc je suis mariée avec... Un mécanicien. 5 étoiles. 5 étoiles, waouh. Ok, vas-y, mange. Oh, mangez. Il va dépanner voiture là, même lui-même, il va dire, c'est ma voiture qui est là. T'as compris? Merci, chérie. Il n'y a pas venu. Bonjour, Mais toi aussi, fais doucement. En fait, je viens. Tu ne trouves pas que notre copine jolie là, elle a exagéré? Hein? Aller basser le gars qui drague ta copine. Mais c'est méchant. C'est trop méchant, sincèrement. Moi-même, je croyais que Jolie allait se purifier. Hein? La fille là, Jolie, elle est méchante. Moi-même, je la crains. Mais toi, Sandra, c'est ta copine, non? C'est toi qui ne continues pas à la suivre, non? J'étais interdit, mais tu ne veux pas écouter. Continue pas à la suivre. Aujourd'hui, là, c'est le dragueur de ta copine. Demain, ça sera ton tour. Et toi, ça sera pas un pointeur, hein? Non, ça sera ton mari. Ton mari. Continue. Hey, ma chérie, faut laisser cette affaire, hein? Il paraît que Jolie même là, avec le médicament qu'elle a pris là, elle n'a même pas salué la bonne personne. Elle a serré la main à une autre personne. Quoi? Mais Koufi, je ne te comprends pas. Pourquoi tu veux forcément porter le blouson? Globo, tu es mon ami ou bien tu n'es pas mon ami? Mais je ne te comprends pas. Mais tu dis, tu sautes, tu viens. Si, en t'attendant, j'ai assis dans ton garage et j'ai porté tenue mécanique, ça fait quoi? Tu es mon ami? Oui, je t'ai dit hein, de venir, on va travailler ensemble. Tu as refusé. Mon atelier est ouvert pour toi. Hein? Mais bon, je vais venir. Mais pour l'instant, là, c'est la nostalgie de la tenue. Je suis là. Mais Koufi, je vais juste saluer un ami à Agoué. Aide-moi seulement. Je dis, c'est pas, faut pas avoir des idées. Je porte tenue mécanique, j'ai assis chez toi, comme ça. La tenue me plaît, c'est tout. Faut pas avoir des idées, non. T'as compris? Aide-moi seulement, c'est pas... Alors, tu portes un truc comme ça ici chez toi? Je t'ai dit de venir, on va travailler ensemble, tu as refusé. Le temps viendra. Viens, on va travailler ensemble. Ça viendra. Donc j'arrive, hein. Bon, où est la clé de la voiture? Tu peux, si tu veux, tu as eu un empêchement, tu peux te prendre ton temps là-bas, je suis là, t'as compris? Oh oui. Je suis là. Je suis le petit là, dis-lui de réparer l'autre voiture. Hein. Yo. Abou. Mon frère. Ouais, viens là. Bon, sois vigilant. Quand tu vois un client ou bien quelqu'un qui vient, faut pas m'approcher. Ton patron est en danger, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis déguisé comme ça. Là, si un client vient, c'est à moi, il parle d'abord. Quand la personne vient, il ne faut pas t'approcher. Quand je vois que ça nécessite qu'il t'appelle, tu viens. Mais quand je t'appelle, tu fais semblant, tu dis patron. Tu vois, non? Là, s'il y a un piège, je déjoue le piège avant que le patron ne vienne. Tu as compris? Merci, grand-père. Faut partir.
Hein? C'est pour sa sécurité, hein? Oui, merci. T'as compris? Oui, merci. C'est comment? Non, je viens de faire des dépanner des trucs, je suis fatigué. Ah, okay. Donc, je suis en train de me reposer un peu. Mais le vieux? Il n'est pas là. Oh, mais... Il m'a appelé qu'il devait être là. Ah, c'est qu'il est en route. Assure-toi. Ok. C'est comment? Ça va. Bon, je viens de dépanner des voitures, et même des choses, tous les 4x4, tu vois, là, je les ai réparés tous. Ah, donc tu as beaucoup gagné. Oh, bah, je ne repars pas de petites pannes. Si tu es venu à une panne, et puis c'est moins de 200 000, moi je ne repars pas ça, moi. Ah, moi, je reparle des grosses pannes, moi. Oh, chérie. Fatigué. Ouais, juste un peu fatigué. Et tu as gagné beaucoup d'argent. Toi aussi. Moi, je ne dépends pas des petits. Il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonsoir, patron. Ça va? Ça va. Je cherche le patron d'ici. Mais comment vous pouvez chercher le patron alors que vous parlez au patron? Vous êtes le patron? Je suis le boss. Ah bon? J'ai un petit problème, quoi. Ma voiture est en panne. Oui. Je viens de dépannage, quoi. Ça chauffe. Ça chauffe, la voiture n'est pas climatisée? C'est climatisé bien sûr. Mais ça chauffe comment encore? Oui, ça chauffe. C'est climatisé, ça chauffe comment encore? Oui, c'est ça, donc c'est sûrement... Tu es patron, non? Va voir. Mais quand tu démarres, ça fait quoi? Non. Pourquoi cette question? Mais tu veux expliquer un problème? Mais écoutez, je ne dépends pas de n'importe quoi ici. Tu veux m'expliquer un problème? Explique-moi la panne normalement. Pas, tu es... Non. Mais tu es la... patron, non? Ça chauffe partout, ça chauffe, je dis mais ça chauffe. La voiture chauffe. Oui. Mais ça chauffe comment? Mais putain. Non, je te comprends pas. Ça je dis ça chauffe. Beaucoup, beaucoup, bien. C'est comme ça on souffre. Non, non, non. Oh. Ça chauffe monsieur, comment? Monsieur, tu vas me dépanner ou pas? Tu as ventilateur. Mais tu as ventilateur, tu mets dans le moteur. Ça c'est quoi ça? Tu as ventilateur, tu prends, tu mets dans le moteur. Ça c'est quoi ça? N'importe quoi. Moi je ne comprends pas ici. Non, monsieur, monsieur. Moi j'ai dit que ta voiture là, moi je ne parle pas. Faut partir. Regarde-moi ça. Mais il est culotté. Ça veut dire quoi? C'est des gens comme ça, ah, on je choisis plus d'enfermer. Moi, je comprends pas quoi. Mais tu es culotté, hein? Mais c'est quoi ça? Ta voiture chauffe. Ils achètent les voitures, ils vont vraiment au port. Dès qu'ils ont 600 000 francs, ils vont acheter des voitures au port, ils embrouillent les gens avec. Sa voiture chauffe. Bon arrivée, papa. Ok. La voiture est là? Ok. Chérie. Ça, on va je vais gérer ça tout à l'heure. Ça, c'est des petites voitures, ça. Oh là là. Hé, Abou! Abou! Patron! Oh là là. Mec, c'est comme ta fille, tu fais quoi? Voiture est là? Non, je reparais la voiture de son coup. Tu reparais ta voiture, ça? Oui. Bon, oui, patron. Merci. Ouvre-moi le capot, là. Comment vous êtes là, comment vous pouvez faire quelque chose? Oh! Bon, papa, le problème c'est quoi en fait? Problème de démarreur. Démarreur? Oui. C'est démarreur. Mais j'ai dit que ça fonctionne, ça, en fait ça roule. Ça roule, il n'y a pas de problème, mais si je reviens de carat comme ça. Mais il faut pousser. Hein? De carat, j'ai poussé. Quand on veut démarrer, il faut pousser. Oui. Mais papa, ça c'est pas panne. Mais il faut trouver quand tu veux garer là. Oui. Tu trouves une pente. Oui. Tu vois, tu gardes dans la pente là. Oui. Donc maintenant, quand il y a personne pour pousser là, tu fais comment? Tu enlèves frein à main là et puis ouh, ça t'en va? Oui, ça je sais, mais il n'y a pas de pente partout. Mais il faut, tu ne vas pas de pente partout, mais maintenant, c'est, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Bon. C'est le démarreur, hein? Le démarreur. Le nouveau modèle là même, c'est où on même démarrait là? Non, papa, c'est pas tout. Regarde, Abou, regarde l'immatriculation des voitures là. AR, non? Pardon, c'est AR. Ah, ça, le démarreur doit se trouver. Ouais. Pardon, c'est ici. Ah. Bon. L'équipe de nuit, c'est eux qui font les problèmes de démarreur, électricité. Ici, on fait double vacation. Nous, on travaille jusqu'à, on descend à 18h, l'équipe de nuit vient. C'est eux qui font les trucs de pousser voiture, c'est eux qui font ça. T'as compris, papa? Abou? Abou, ferme ta peau là. Patron, tu connais dans quoi dans le démarreur? Oh! Chérie! Bon. Tu fais quoi ici? C'est qui? Je la connais pas. Bon, papa, c'est ça le problème, hein?
Hein? Jolie. Il n'y a pas de problème. Tu gardes ça là. Abou. Mais vous allez m'aider à. Ah, merde, Abou. Vous allez m'aider à. Chérie. Patron, c'est moi ça. Je vois ici. Allô. Allô. Abou. Allô. Patron. Il y a quoi? Jolie. Dis-moi, c'est. Qu'est-ce que tu fais? C'est démarreur. C'est pas. Dis-moi, ça ne démarre pas. Ah, c'est ça. C'est à vous la voiture. Vous avez quel problème? Démarreur. Reprends-moi. Papa. Allô? Allô, chérie? Bon, il faut m'excuser. Faut t'excuser auprès de ton père. Parce que j'ai une urgence là, je suis parti à Kara. Quoi? À Kara? Je viens d'arriver comme ça à Kara. Tout à l'heure là? Oui, tout à l'heure là.